Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end, le village d'Uez était en fête pour la Sainte-Anne. La Philharmonica de Bormio avait fait le déplacement pour le défilé costumé. Beaucoup de participants, surtout la participation de la Philharmonica de Bormio qu'on entend derrière moi, comme tous les deux ans. On les remercie parce qu'ils nous accordent un spectacle gratuit le samedi soir et puis ils animent notre défilé le dimanche midi. Cette année avec un orgue de barbarie, toujours les jeux de rue, les grands jeux de bois, en bois, et puis le vide-grenier évidemment pour les enfants qui a toujours beaucoup de succès. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits, ah quel joli nom. Au nom de tes ancêtres hawaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Au bord de la paillette, au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco, super. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Allez ensemble, salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Alors on a une nouvelle recrue au bureau cette année qui est Océane Orcel, qui est la petite fille de Gilbert Orcel et qui a décidé de continuer un petit peu les us de notre village. Et ça c'est très sympa de voir qu'il y a quand même quelques jeunes qui sont d'accord pour prendre la relève, quoi. C'est sympa. La semaine dernière s'entraînait sur le stade de foot Georges Rajon l'équipe féminine de L1, le FC Fleury. Cette semaine, la station accueille le 13e triathlon de l'Alpe d'Huez. On vous retrouve mardi pour le duathlon, mercredi le triathlon kids, jeudi triathlon longue distance et vendredi courte distance. Bonne chance à tous les participants. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain petit journal.